Salut à toutes et à tous, c'est Tamer du Story MC et on se retrouve directement cette fois-ci au Military Depot prussien pour lancer une attaque qui va sûrement nous coûter cher et que j'y pense. Ah merde! On va abandonner le siège, on va faire inventory, c'est juste que je voulais faire d'autres trucs. Tac, tac, et je voulais juste faire ça, voilà. Pour éviter de mourir tout de suite, clairement. On va recommencer. Allez, 6h, faut espérer qu'il n'y a personne qui vient nous dire bonjour. Ce qui va pas être le cas. 1h. Boum! Ok, on lance l'assaut pour délivrer Juno. Et là, on risque d'avoir des pertes, mais j'ai reformé mes rangs. On est à 253, j'ai pris un peu de la garde. Et de la ligne, des tirailleurs chasseurs. Donc là. Là, ça va chier, ça va être beaucoup de corps à corps, donc là je vais compter sur la globalité de mes troupes, je les mets tous en chargeant. Comme ça je suis quasiment sûr d'être tranquille de ce côté-là, que même si jamais je venais à mourir, bon, on ne va pas trop me casser les couilles. Donc là, l'utilité d'avoir pris la cuirasse, je pense que je vais le ressentir tout de suite, parce que ça m'évitera de mourir trop rapidement. Il n'y a pas une échelle sur le côté là-bas ? À tout hasard, je vais vite faire jeter un petit coup d'œil. Et il n'a pas l'air. Ok, donc, ils sont plus nombreux que nous, mais au corps à corps, une fois qu'on aura réussi à percer, à mon avis, on aura fait bien du chemin. Et par contre, il faudrait que les mecs, quand même, montent. Parce que s'ils ne montent pas, on va pas aller bien loin. Vraiment pas loin du tout. J'ai évité de passer trop par là, parce qu'à la fois que je suis passé, je me suis fait allumer comme un chien. Voilà, donc clairement, il y en a un qui est tombé, mais quel bande de boulets. Là, mais il faudrait vraiment qu'ils y aillent tous, plutôt, hein. Pas qu'ils y... Voilà, montez tous en même temps. Ok, on va d'autres faire un truc, on va libérer un côté, c'est vous me followez. Sinon, il va y avoir beaucoup trop de pertes. Faut vraiment qu'ils aillent à l'intérieur, là, les gars. Faut vraiment charger. Bah, c'est juste des putains d'échelles. Alors, c'est vrai que j'hésite carrément à monter, là, parce que... Quelque chose me dit que je vais pouvoir prendre très très cher dans les secondes qui vont venir. L'avantage, c'est que là, ils shootent que des têtes, les mecs. Bon, oui, voilà, moi je suis bien, moi je crois que j'ai aussi... Non. J'ai touché personne, hein. Alors ils sont tous comme des cons. Putain, les gars, il est quand même... On a connu plus intelligent, quand même. On a connu bien plus intelligent, mais bon, tant pis. Et quand tu veux, toi, pour charger, t'as le mec, ça, et le mec qui est pas trop long à la détente. Putain, mais chargez, mais passez pas tous par le même endroit, je sais pas, mais faites un truc, bordel de merde. Bon, followez-moi tous. Au pire, si on essaie de passer par là, je sais pas si c'est forcément une bonne idée. Ou non, quelque chose me dit que non. Quelque chose me dit que pas du tout, c'était pas forcément la meilleure idée du siècle. Que des fois il faudrait peut-être mieux se retenir de faire certaines choses, mais qu'après si tout le monde pouvait charger, ça pourrait être plutôt cool, mais vraiment cool, et pas s'agglutiner comme des blaireaux, ce qui n'a pas l'air dans leur corde en tout cas. Oh, comment avoir des pertes inutiles. Oh putain, faut quand même avoir, on a connu quand même bien plus intelligent. On va faire l'infanterie, followez-moi, sinon on va jamais s'en sortir. Ah oui, quand même. Il y a quand même du monde. Mais par contre, vu qu'il y a du monde, c'est qu'il y en a beaucoup. Il pourrait s'avérer que cet assaut peut être un échec. Si je vous dis charger, vous prenez le truc le plus près de vous. Je dis, c'est aussi une manière de se protéger, ma foi. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre, ma foi. On aurait connu des batailles bien plus palpitantes. La légère, c'est quoi? Fire à tuile. Ah voilà, là il y a un peu de trucs intéressants.
ça, eux ils vont tous tirer, et puis bon, on va bien voir comment ça se passe. Ah, t'as toujours des suicidés, hein. Moi je sais pas que je veux pas les suivre, mais bon, quelque chose me dit que voilà, j'ai pas envie d'y aller. Ah, bah ici on commence à réussir à percer, pardon. Pardon, 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 pardon. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je sais pas si c'est forcément la meilleure idée du siècle. Quelque chose me dit que non. Ouh, on va arrêter de faire trop le con quand même, hein, parce que c'est vraiment pas bon pour mon karma. Ah, il y en a qui ont réussi à percer. Mais là, pourquoi ils veulent pas monter? C'est ça que je comprends pas. La garde impériale, vous voulez pas charger? Mais qui est con? Mais qui est con, lui? Mais non! Putain! Yeah. Alors là, si on arrive à gagner, les gars. Ah, yes, il pourrait y avoir moyen, quoi. Ouais, ils auraient pas mal de pertes, hein, c'est ce qu'il faut dire. Et puis qu'à ce rythme-là, je sais même pas. Il n'y a plus qu'à attendre, hein, pour ce 13e épisode. Je sens que ça va être très très long. Mais ils ont eu pas mal de pertes sur les. Contrairement au début, hein, tous les hommes qu'il y avait. Ok, donc. Ça chie les patates parce que là, j'ai eu 94 morts quand même, hein, sans un blessé. Je te prends, j'ai sauvé Juno. Ah oui, bah tiens, on va pouvoir choper tous. En gros, ça va toute l'armée de Juno, tout ça. Et puis, ouais, je crois que je vais tous les prendre, hein. Et que je vais me barrer. Alors, l'avantage, pourquoi faire ça malgré les morts? C'est que même s'ils sont morts, les mecs qui vont, quand ils vont reconstruire, quand ils vont reprendre le military depot, ils vont mettre que 4 ou 5, ils vont mettre une trentaine de mecs, pas plus. Du coup, à l'avenir, ce sera encore beaucoup plus simple à prendre. Et si on fait pareil avec Berlin, même si on a des pertes et qu'on arrive à la prendre et qu'ils la reprennent, on pourra après la prendre sans de grosses difficultés après avoir affronté toutes leurs grosses armées. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout, même. Hop. Pas de mec avec un fusil, non. Alors, j'ai eu beaucoup de. Je vais rien demander du tout. J'ai eu beaucoup, beaucoup de pertes. Et moi, j'ai plus de vie. Enfin, si j'ai repris un minimum syndical de 25, mais bon. Il y a bien mieux. Donc, Military Depot a été pris. Ah, voilà, les armées françaises qui commencent à se reconstituer un peu plus, ma foi. C'est pas plus mal. Et là, par contre, ça risque de chier. Ah non, il les poursuit. Le mec, il a 90 mecs, hein. Non, c'est qu'il l'a pas vu, apparemment. Ok, donc. Si je. Ok, oui, il se ferait prendre. Comme un con. Non, ça va. Bon, bah lui, on va attendre. Nous, on va attendre là tranquille, hein. Ah, ok, c'est bon. Ma renommée fait que mon ami doit avoir trop peur de venir m'affronter. Tant mieux. J'avais vu Masséna dans le coin qui poursuivait. D'accord, il poursuivait un truc, un mec. Ok. Bon, il n'y a pas grande armée là qui peut venir me causer difficulté. Oui, me mettre bien des barrières. D'accord, les mecs, hein, ils passent à côté les uns des autres, mais ils s'affrontent pas, au cas où. Si t'essaies de prendre le village, mon gars. Il faudrait que Berlin se fasse assiéger. Pas Grouchy, connard. Ouais, bon, on a qu'à tuer, ouais, voilà, tranquille. Ce fut un plaisir de t'aider en tout cas. Voilà, donc là. Et là c'est marrant parce que vous voyez, quand il n'y a plus trop d'embrouilles là et avec eux, nos armées reprennent quand même bien du vif. Bon, à part celle-là. Masséna, tiens, il a pris cher lui. Ah non, c'est McDonald's, d'accord. Masséna, vous voyez, on est revenu à des bons chiffres, 110, 140, 150, des bons trucs. Donc ça c'est cool. Et là on prend vraiment pied chez les Prussiens. Et puis là, même les autres me suivent, hein, cette fois-ci. Ils sont vraiment là, ils sont présents, les autres troupes françaises, donc c'est du tout bénef. Voilà, donc là, nous sommes bien repartis en guerre. Ici, tous les villages se sont vus reconstruire.
Voilà, donc globalement, c'est plutôt cool. Caractère, j'ai pas de points à améliorer. Voilà, c'est de la fois une pas trop mauvaise nouvelle tout ça. Et puis, moi, je reste dans le coin pour l'instant, tant que le moral est bon chez les gars. Et affronter une armée encore. Mais qui veulent même pas. Et là, si, enfin, franchement, ils sont vraiment coupés là par ça. Et ça, c'est vraiment. Hyper intéressant, puis je pense vraiment qu'il y aurait vraiment un grand moyen de les affaiblir en un coup, mais là mon armée a quand même pris un peu cher quand même clairement. Mais oui, ils ont plus beaucoup d'armées maintenant, ils sont relativement bien affaiblis. Et ça c'est cool. Parce que du coup Berlin tôt ou tard pourrait être plus ou moins facilement prenable. Et encore, si même si je perdais beaucoup et regardais tous les prisonniers qu'il y en a 242, j'aurais de quoi me refaire. Et Stettin est aussi une grosse garnison à l'époque, une grosse ville très dure à prendre. Donc faudra voir. À moins de retenter, mais bon. Perdre encore et encore des hommes. Mais bon, ça peut se tenter. En prenant la même technique, en prenant Berlin, c'est, vous savez, c'est celle qu'on a l'habitude de faire, d'attendre qu'ils sortent. Et puis après, enjoy quoi. Je crois que c'est bien ce que je vais faire pour en finir très rapidement avec cette guerre. 236. Ils sont 324, ouais, il faudra attendre que Frédéric III y parte. Une fois qu'il serait parti, ce sera tout bon. Du coup, je retourne à Göttingen prendre des mecs. Et on se retrouve après. Ah bah si, attends. Déjà, il me faut lui. Voilà. Déjà, on va libérer Masséna. Enfin, je sais pas s'il a été pris d'ailleurs. Mais on va bien voir. Hop. J'ai moins de cavalerie que d'habitude, je suis d'accord. La légère, bien en avant, infanterie derrière pour le coup. Puis vous mettez là, vous faites genre, on fait les beaux. Et on va attendre que ça se passe. Ah oui, j'ai même pas regardé s'il y avait dans les prisonniers, il y avait notre mécénat international. Oh, on va bien voir. Non, j'ai des courbatures aux abdos. Pardon. Vous suivez la garde rapprochée, vous suivez les grenadiers, vous suivez. Voilà. Boum. Brave carabinier qui est tombé de son combat. Tiens, je t'ai tiré un coup. Bon. Ok. Ouais, ça va y avoir un bien méchant face à l'ennemi. Oh, il tire déjà quand même d'ici. Sauf si j'ai fait une connerie en mettant la garde rapprochée par là. Mais plutôt vous mettre par là la légère. Bah, écoutez. Ils sont un peu plus haut, là je peux en toucher quelques-uns, je pense. Allez, pas réussi. Ok, cavalerie, préparez-vous à charger. Vous chargez tout, de toute façon, au pire. Voilà, comme ça ils vont avancer progressivement. Ouh, j'ai touché un cheval. Par contre, si vous pouvez vraiment charger, les gars, ça serait tous vraiment cool. Hein, quand même. Enfin, ils n'ont pas l'air de vouloir. Eh bien, ma foi, s'ils ne veulent pas, on va demander à la cavalerie de le faire pour eux. Et on va essayer d'éliminer celui qui va tirer. Ok, de toute façon, je vais avoir une deuxième chance. Mec, il prend bien le temps pour viser. Les mecs, ils sont pas trop calmes, hein. Bon, il y a un mec qui est juste devant nous, qui allume nos artilleurs, mais on s'en fout. C'est une manière de voir les choses. Ah, il y a un drapeau, quelque chose a dit que je vais l'avoir. Quelque chose me dit qu'il va mourir, quoi. Quelque chose me dit qu'ils n'ont déjà plus d'artillerie. Quelque chose me dit qu'ils ont déjà pas mal de morts dans leur rang. Boum. Quelque chose me dit qu'ils vont se faire charger par derrière. Quelque chose me dit que je vais gagner. Tan ta ta. Tan ta ta. Ton cheval est tombé. Mais le mien ne demande qu'à tomber aussi.
crois qu'il y a deux généraux. Deux généraux. Chose vis. Chose vis. Je sais pas comment on dit. Je l'ai assommé moi-même. Et là, j'en ai eu un autre. Rafale de Carblesse, tout ce que c'est marqué. Mais je sais pas. Et mon artillerie a niqué mon propre cheval. Merci. Mais nous avons gagné. Et lui, je sais pas qui c'était. Mais bon. Je l'ai assommé aussi ou je l'ai tué, je ne sais pas trop. Oh là-bas, un petit cheval. Un petit neval. Viens par là, petit. Je vais pas te faire de mal. Oh, il y avait un drapeau, je parlais de drapeau tout à l'heure. Hop, du coup, il est dans le coin. Je dirais qu'il est là-bas. Est-ce que je l'avais vu là-bas? Oh là 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 là. En effet, il est là. Et voilà, nous avons un petit drapeau. Et il faudrait que je pense aussi à un petit 4 pour m'acheter un aigle. Mais ça coûte cher, un aigle. Ça coûte très très cher. Puis chaque fois que je vois un, il trouve toujours moyen de se faire buter. Alors, on est bien gentil. Mais... Voilà, c'est bon. Victoire for us. Youhou. On va attendre que le drapeau passe dans mes items. Voilà. Pourquoi j'ai encore un cheval? J'ai plein de chevaux à chaque fois. Je comprends pas tout. Ma scène était belle et bien prisonnier. Et je vais pouvoir te prendre quelques. Ah oh, putain. M'en fous, j'en sacrifie un. Alors, il y a aussi. Bon, toi, on s'en fout. Boum. Merci. Ah. Quel enculé je fais. Oh, bah, mais vous voilà. Allez, et puis là, ils sortent en nombre quand même. Donc, moi, je vais quand même me barrer. Ceci étant. Ouais, si, je vais me barrer. Faut que j'aille le voir vite. Salut poupée! Tu m'as dit, je suis là, parce que moi je suis un putain de big boss. Putain, et n'empêche, dans leur armée, je pèse mon poids, on va dire, hein, quand même. On peut les attaquer, il n'y a pas de problème. Putain, mais viens, fais pas ta tapette. Non. Si jamais il voudrait. Non, mais ne l'attaquez pas, le mec il a 66 mecs, on s'en bat les couilles. Allez prendre Berlin. Bon, on va attendre que ça se passe, hein, parce que bon. Bien gentil, mais. Oui, bah. Finis ta bataille, garçon, voilà. Où es-tu, Lan? Tu es là. Oui. Bah, apparemment, il fallait que tu me parles. Faut savoir ce qu'il veut aussi, hein. L'âne. Putain, on va perdre le militaire des poches. Hein. Ok. Après, si on a un siège Berlin, je dis pas non. Passe pas les couilles. Et tu t'intéresses à prendre. Mais prenez cette putain de ville de. Ah bah voilà, 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 voilà. 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 Voilà, comme ça, mes bonhommes, ils vont, ah, trop bien, on va tuer du monde, ah, c'est trop cool! Il pleut, tiens, pour une fois. Bon, chargez tout, c'était pour chier, pour le coup, hein. Oui, là, je pense, oui, nous, on est 62, oui, ok. On va gagner. Pour le coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, du coup, ils ont décidé de prendre une autre ville, pourquoi pas, mais on a reperdu le militaire des pots, mais du coup, je crois qu'on va dû prendre du coup, je crois que du coup, ça nous fait prendre toute la partie est du truc, sauf qu'il y a quand même les Russes, ce qui est pas forcément un calcul très ingénieux, mais maintenant, ils iront se faire foutre, parce que moi, avec mes troupes, quand elles vont être contentes, je vais repartir faire la guerre côté Berlin, buter un maximum de monde, de reprendre le militaire des pots, et là, ça sera pas mal. Ça sera pas mal du tout même. Et après ça, on pourra s'attaquer aux Russes. Sauf que moi, je serais bien dans l'idée d'aller directement à Moscou. Mais bon, il risque d'y avoir quelques soldats entre temps, donc on va peut-être y aller mollo. Mais ma foi, pourquoi pas. Bon, on va bien voir comment ça se ficelle tout ça. Là, il y a tous les généraux. Bah, il devrait y avoir Napoléon quelque part. Il devrait être là. Oui, parce que Napoléon combat dans le jeu aussi, hein. Il combat, et puis bah, vu que j'ai vu qu'il y avait des généraux, bah, c'est peut-être lui là tout devant. Peut-être ça, ça pourrait être lui. On va aller voir. Ouais, si, il me semble bien que ce soit lui. Donc il est possible qu'il soit blessé dès le début. Voilà, qu'est-ce que je disais?
Hop, ça, je... Bon, on va le garder. Si, oh non! Ah bah, ceci étant, s'il y a des pistes alcanoïdes, je ne dirais pas non. Merci, sire. Dépouiller l'empereur, c'est fait. Hop, on va recharger tous ce bon truc. Et puis bon, on va gagner la bataille, clairement. La 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 la. Attends, et là tu me dis que tous les mecs que je suis en train de perdre, ils sont à moi. Ah non, oui, non. Vu qu'en siège, ils considèrent que tous les mecs qui sont sous mon commandement, toutes les pertes sont considérées comme si elles étaient à moi, alors pas forcément. Non, alors, juste l'épée, voilà. Ah, il est mort, la honte. Mais qu'on combat. Ah, il est mort, la honte. Je vais pas faire trop de malin non plus, quand même, parce que des fois, ça me porte pas toujours chance. Oh, bon, je pense qu'ils vont tous mourir, vu le tac qui se présente. Et vu comme je suis très doué, ma foi. Bon, oh, mais ils vont me lâcher de la grappe, oui. Non, mais espèce de seul... Oh, putain, puis là, ça commence à ramer comme... Voilà, merci, putain, les gars. Vous êtes juste devant, vous êtes un foutu de les buter, quoi. Putain, fou dur, ces jeunes, tous des branleurs. Allez, hop, ouais, va te faire foutre. Avec ta barbe, parce que j'adore les grosses barbes. Comme Larry aime les hommes musclés et très huileux, moi j'aime les barbes. Alors que j'en ai pas, hein, clairement. N'importe quoi. Voilà, va te faire foutre. Bon, on y arrive ou pas là? Parce qu'on a quand même pas mal de morts là. On a... Ah oui, non, c'est l'ennemi qui a 93 morts. Oui, voilà. J'ai eu peur. Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre aussi. Là, je crois pas trop le malin parce que vu tout le monde qui est là, je me prends une salve, je survis même pas. Hein. Donc, allez-y devant, les gars, moi je vous suis. Bon, encore, je peux m'abriter après derrière le gabion. Voilà, maintenant, faites ce que vous voulez, moi je vais me mettre à l'abri ici. Ouais, bah, je suis pas si à l'abri que ça quand même. Hein. Genre même pas du tout. Voilà, caché. Et là je me prends juste une balle qui finit dans ma tête. Bon bah là par contre les... J'allais dire les Britanniques. Là les Prussiens seront bien affaiblis. Donc là normalement je suis comme censé toucher un mec au moins. Non. Alors, si ça c'est pas de la nullité à un certain point les gars. Je vous demande qu'est-ce que ça fait bien être. Mais non, mais mec, ça, j'en touche pas un. Hein. Tant pis, au risque de mourir, je me rapproche. Est-ce que là j'en touche un? Oui, j'ai fait un headshot, bien. Mec qui fait des tests. Est-ce que là j'en touche encore un? Oui. Ça il s'amuse. Est-ce que là j'en touche au moins un? Oui! Bon, allez, on arrête de faire le con. Allez, battez-vous, soldats. Il faut charger. J'ai. Ouais, je suis mort. Voilà, 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 voilà. Ah, clavier de merde. Souris de merde aussi, mais putain, mais c'est quoi ces souris? Hein, voilà, tourne. Tourne sur toi-même. Tourne sur toi-même. Voilà. C'est bien. Bon, bah là, je pense qu'on va gagner. Ouais, on va gagner. Et ils s'en prennent tous, prendre très très cher. Et comme d'hab, je pense qu'après, on saute. Ouais, je pense que je vais de toute façon couper un peu. Bon, comme tout à l'heure pour l'autre siège, hein, je vais couper. De toute façon, je pense que la bataille est gagnée. C'était quelque chose de sûr. Il reste plus. Ils ont comme ça, on se tuait, les copains. Hein. Oh putain, oui. Bon, ils ont eu 268 tués quand même. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est lavé. Et la Königsberg a été prise, bien. Alors maintenant, vous voyez ce magnifique calcul, nous sommes en guerre contre eux. Maintenant, voilà, ils peuvent nous attaquer sans trop de problèmes. Super intéressant. Coucou, tu veux te fight? Allez, viens, viens, on va se fight. Bon, du coup, les mecs sont contents parce qu'ils ont tué des gens. Ouais, ça, ils se devaient à average au niveau du moral. Et là, ça a dû remonter un petit peu. T'as pas des putes? Mec, naturellement, tu sais. Alors, ah d'ailleurs, je crois que j'ai un truc à vendre là-dedans. Non, j'ai lu genre ça, tu sais. French.
Ça, je te le donne, hein, parce que moi je m'en fous. Puis aussi, je te le donne parce que je m'en fous. Puis ça aussi, je te le donne parce que je m'en fous. Par contre, je te prendrai bien du texte, tout ça. Ok, on se bat. Et maintenant, direction. Voilà, donc toutes les armées maintenant se concentrent ici. Donc là, ça va chier. On va prendre le military depot. Et on va tous les violer. Mais ce sera pour le 14e épisode, voyez-vous. Voilà pour ce 13e épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et on va niquer tous ces Prussiens dans les 2-3 prochains épisodes à venir. Merci de nous avoir regardés et je vous dis à la prochaine. Allez, salut !